Qui m'a toujours amusé. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des bactéries, hein, des bactéries qui sont à la surface de toutes les muqueuses du corps et qui réalisent un service de protection d'une certaine manière, un système immunitaire. Et je me souviens avoir discuté avec Eric, on parlait un petit peu du même rôle qu'ont les bactéries pour le sol. C'est-à-dire que l'assimilation dans le sol ne se fait que parce qu'il y a des bactéries à sa surface. Tu veux nous en dire quelques mots ? Alors, déjà, ces bactéries... Micro-organismes. Champignons, donc micro-organismes. Moi, j'en aime. Très globalement, ce sont des micro-organismes qui, autour des racines des végétaux et notamment des arbres, décomposent la roche-mère et fabriquent des argiles, qui sont la clé de la fertilité, et libèrent des ions positifs, des cations, qui sont indispensables à la fertilité. Ce sont d'autres micro-organismes qui décomposent ce qu'on appelle la litière, donc en fait, c'est les feuilles et les branches tombées, toute la matière organique qui fabrique ce qu'on appelle l'humus, et ce sont d'autres micro-organismes qui font que cet humus et ces argiles, qui sont deux colloïdes, vont être associés l'un à l'autre de manière qui tient, stable, en utilisant justement des cations pour les lier, pour faire la colle, en fait, c'est une liaison électrostatique. Voilà. Donc sans ces micro-organismes, il n'y a pas d'humus, il n'y a pas d'argile, il n'y a pas de sol. Le sol étant donc l'association d'une particule d'humus et une particule d'argile, deux colloïdes. Et s'il n'y a pas de micro-organismes, là plutôt champignons, il n'y a pas donc cette rhizosphère qui fait que donc ces champignons-là transfèrent l'humidité, captent, hein, et c'est des réseaux, c'est des kilomètres et des kilomètres de réseaux qu'ont ces champignons filamentaires, là. Ils captent la moindre humidité du sol, enfin, la moindre, en grande quantité, et transfèrent ça aux racines des arbres avec des nutriments dedans. C'est la première chose. Après, il y a des micro-organismes partout dans les tissus des végétaux qui leur permettent de fabriquer, notamment par exemple avec l'azote minéral qui est dans le sol, de fabriquer les protéines dans les feuilles, enfin de faire remonter l'azote. Il y a des micro-organismes à chaque étape. Il y a des micro-organismes qui vont au contraire transformer l'humus, la fertilité du sol en minéraux assimilés par les racines, etc. Donc les micro-organismes sont partout. Et puis, ils sont partout et ils sont absolument nécessaires. Absolument nécessaires. Ce sont eux qui dégradent tout ce que la vie produit, mais qui les transforment en fertilité et permettent donc que la vie ait lieu. Puis après, il y a tous les micro-organismes qui font qu'on n'a pas de maladie dans l'écosystème, que les végétaux sont OK, et comme tu dis, on a plus de micro-organismes que de cellules dans le tube digestif. Ouais. Donc ça, c'était un premier parallèle qui me paraissait évident. Est-ce qu'il y a des questions ou oui, est-ce alors, qu'on continue? J'ai une première question ici. Super. Donc, alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main assez haut pour qu'on vous voit bien ensuite. Hein. Donc, ça va. Bonjour. Ah oui. C'est dire au revoir. Je m'appelle Caroline. On a échangé par mail. On a échangé déjà par mail. Et tu as eu la grande gentillesse de me conseiller par rapport à mon alimentation. Alors, je ne donne aucun conseil, je ne suis pas habilité pour, donc je ne t'ai pas conseillé, tu te trompes. Non, d'accord. Voilà, ce n'était pas moi. Pour ne pas m'avoir conseillé. Voilà. Et du coup, non, je ne vais plus savoir dire. Je suis le régime GAPS, mais tu m'avais dit qu'il faudrait qu'il y ait des aménagements par rapport au régime GAPS, et je n'ai pas la suite, en fait. Donc C'est intéressant ce que tu dis. Alors, elle parle d'un régime qui s'appelle GAPS, qui a été mis au point par une nutritionniste anglaise. Et globalement, si vous écoutez mes vidéos et qu'ensuite vous ouvrez le bouquin, c'est juste l'inverse. Non, mais techniquement, hein, c'est juste l'inverse. Et en plus, la femme qui s'appelle Natasha Campbell, elle a des super résultats avec les enfants autistes et ainsi de suite. Donc rapidement, ça fait se remettre en cause. Moi, le premier, c'est pour ça que quand on m'a parlé du travail qu'elle faisait, j'ai acheté son bouquin parce qu'on m'a dit « elle a des résultats ». Je dis « prenons son bouquin et voyons ce que c'est exactement ». Et donc, en fait, c'est un régime dans lequel, globalement, c'est
Moi, c'est banane-carotte. Elle, c'est gras de porc, beurre et jaune d'œuf, quoi. Et bien cuit. Mais cuit, cuit, et recuit, et recuit, cuit, cuit. Et donc, il faut bien comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la guerre des macronutriments, lipides, glucides, c'est vain. Ce qui est important, c'est d'avoir une énorme abondance de minéraux, de vitamines, d'antioxydants. Et après, ben, d'avoir au niveau des macronutriments, lipides, glucides, en fonction des besoins de l'individu à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'on pense toujours de manière fixiste. C'est-à-dire qu'on pense que toute notre vie, on va avoir exactement les mêmes besoins, de la même forme, et qu'on y répond de la même façon. Et ça, pour moi, c'est un des gros travers de la pensée humaine. C'est pour ça que je ne suis pas pour fixer un régime du style, il y a ceux qui mangent que des fruits sucrés. Ils disent, ouais, il faut manger du sucre. Si tu ne manges pas du sucre, tu n'es pas en forme. En pratique, moi, je connais des tas de gens, si on leur fait ça, c'est le crash complet. Ils vont être bouffés par les candidoses, ça ne va pas marcher, ils vont être en acidose complète. À l'inverse, il y en a qui disent « Ah, il ne faut pas manger de fruits, mais c'est l'horreur, il faut manger que du gras. » En pratique, il y en a des tas, tu leur fais ça, bon, pendant quelques mois, ça va marcher, puis au bout de quelques mois, ils vont avoir le foie tellement engorgé que plus rien ne va fonctionner. En vérité, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est des fluctuations et des régulations en temps réel, en fonction de ce qui sont nos besoins. Et le seul moyen de connaître nos besoins, c'est enfin de rentrer dans une forme de ressenti. Parce que sinon, il n'y a rien qui peut nous le donner. Il n'y a aucune règle qui peut nous le donner. Alors, le régime GAPS, sa visée première, il a été donné pour des enfants qui avaient des problèmes de type autisme. Or, on sait très bien... J'ai un fils autiste. Voilà, on sait très bien, mais je vois exactement à qui je n'ai pas donné conseil. On sait très bien que les problèmes d'autisme sont purement et simplement des problèmes digestifs, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec du psychologique qui serait dans les nuages, c'est des problèmes digestifs. Le but de Natasha Campbell, c'est de restaurer l'écosystème intestinal le plus rapidement possible. Et pour ça, elle a montré qu'il faut peu de fibres, parce qu'effectivement les intestins sont extrêmement enflammés. Il faut peu de fibres et il faut beaucoup, beaucoup de matières grasses. Donc elle utilise énormément de matières grasses, y compris des matières grasses saturées, y compris des matières grasses animales saturées, cuites et recuites. En pratique, ce que j'ai vu, parce que je m'y suis intéressé beaucoup, ce que j'ai vu, c'est que dans l'idée, c'est bien joli, sauf que c'est très peu tenable, et très rapidement, ça conduit à un état d'acidose, on s'en serait douté, assez rapide, parce qu'il y a beaucoup trop de produits animaux et pas assez de produits végétaux. C'est pour ça que j'avais proposé, moi, quelque chose qui retenait le meilleur de ça, c'est-à-dire... Ok, les gens qui ont les intestins extrêmement enflammés et qui ont des pathologies de type liées aux intestins, eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières grasses, y compris, pourquoi pas, des matières grasses animales saturées, mais plutôt crues. La portion protéique, ce n'est pas l'important, donc pas commencer à manger de la viande sur de la viande sur de la viande, à la fois pour des raisons éthiques et à la fois aussi pour des raisons physiologiques, parce que le corps n'est pas adapté. Et surtout, penser que les fibres ne sont pas du tout adaptées à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer les produits soit sous forme cuite pour détruire les fibres, soit sous forme de jus, parce que comme ça, on a tous les micronutriments, mais ne pas commencer à brouter des carottes sur carottes sur carottes, parce que ça va être extrêmement enflammant. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à avoir une espèce de synthèse entre une approche crudivore, parce qu'elle apporte le maximum de micronutriments, et je crois que ça serait dommage de s'en passer, et une approche... comme Natasha Campbell, qui dit qu'il faut un maximum de matière grasse. Ben oui, il faut un maximum de matière grasse, mais pourquoi ne pas aller les chercher accompagnés de micronutriments et peu transformés par la chaleur. Voilà, c'était ça un peu ma synthèse. Et en pratique, ça marche, ça fait des sacrées améliorations. Ah oui, moi je revis aussi, et puis les légumes lacto-fermentés aussi, alors c'est... Tout ce qui est lacto-fermenté, par exemple, c'est une merveille, vraiment merveille. C'est tout ce qui est lacto-fermenté, tout ce qui est chargé d'enzymes va participer à ça. Ce sont des enfants, simplement, on s'est rendu compte que les enfants autistes ou le spectre autistique, ils ont des bactéries que les autres n'ont pas, et que ces bactéries-là, elles utilisent la nourriture pour produire des neurotoxines que personne d'autre n'a. Donc c'est juste une question de dysbiose intestinale, ils ont des bactéries qui ne devraient pas être là. La plupart du temps, on a montré que ce n'était pas fortuit. Ce sont des enfants qui se développent, entre guillemets, normalement, si tant est que la norme ait un sens. Et puis un jour, on leur donne des antibiotiques, et qu'est-ce qui se passe? Pendant le temps où on a des antibiotiques, pendant un mois et demi, deux mois, on a une sorte de faille dans notre système immunitaire, dans nos bactéries. Et à ce moment-là, c'est un peu au petit bonheur la chance. S'il se retrouve des bactéries extrêmement pathogènes dans l'environnement, l'enfant se les ramasse, elles s'installent dans le tube digestif, et c'est terminé, ça ne fonctionne plus de manière adéquate. Si ce n'est pas le cas, il peut passer au travers et ne pas avoir de problème. C'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui vont prendre une antibiothérapie qui ne vont pas avoir de problème à la suite, et puis d'autres, oui, parce que c'était pas de chance. Donc il s'agit de restaurer l'écosystème intestinal, tout ce qui va favoriser ça, apporter beaucoup de bactéries amies, va y participer. Mais c'est un vrai challenge, parce que ces troubles du spectre autistique,
il y a l'autisme pur et dur, mais alors tout ce qui est un peu tangent, il y en a une quantité colossale chez les enfants actuellement. C'est quelque chose que je connais aussi de première main, et j'ai pu voir les améliorations sur voilà, des enfants qui étaient classés, on va dire, anormaux, avoir un comportement, retrouver un comportement, une quiétude, une paix juste d'enfants de leur âge, quoi. Et c'est juste merveilleux à voir. Oui, bonjour, c'est surtout une question qui s'adresse à Eric. Comment concilier l'évolution de la démographie humaine sur Terre et la reforestation. Et parce que bon, l'un et l'autre prennent beaucoup de place et il faut que chacun y trouve sa place. Comment faire? D'accord. Bon, bah, en fait, ça va se faire tout seul. L'agriculture consomme énormément de place pour produire nos besoins, parce qu'elle n'est pas productive. Des systèmes conscients permaculture qui incluent énormément d'arbres sont jusqu'à 300 fois plus productifs, ce qui laisse d'autant plus de place pour faire de la reforestation. L'autre chose, c'est qu'on a des forêts qui peuvent à la fois... Moi, je parle de forêts qui reforestent, de forêts qui nourrissent, de forêts qui produisent des fourrages, parce qu'on n'est pas que ici, en France ou dans les pays riches. L'enjeu mondial, c'est des pays dans la bande intertropicale. Là-bas, plus important que la santé ou la nourriture des humains, c'est les bêtes, dans certains cas. Donc, produire notre nourriture, produire des fourrages, produire notre alimentation dans les mêmes forêts et puis les plantes médicinales, que les forêts qui reforestent. Donc, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est concurrentiel de produire nos besoins, de quoi satisfaire nos besoins. Air, eau, du bon air, de la bonne eau, de la bonne nourriture, de l'énergie, des matériaux de construction, des matériaux pour faire des habits, c'est ça nos besoins. Et puis après, le groupe social, l'harmonie sociale, la sécurité sociale, la sécurité du groupe social. Mais... en fait, ce n'est pas concurrentiel. C'est concurrentiel parce que justement, on n'a plus les forêts. Donc, remettons des forêts, remettons des arbres, et on va faire tout ça à la fois. Et puis, je te dis, quand tu produis 20 calories ou 15 calories pour une investie, ça laisse de la place pour faire des forêts. Donc, globalement, ça veut dire que tous les hauts, tout ce qui est haut, les sommets, tout ce qui est pente raide et tout ce qui est bord des zones aquatiques, rivières, lacs, etc., doit être de la forêt, absolument. Parce que c'est là où la vie... Enfin, la terre en tant qu'organisme vivant est le plus en danger, c'est là où c'est le plus érosif, c'est là où il y a le plus d'enjeux. Voilà, mais il y a largement... Autre chose, on a 40 millions de kilomètres carrés de surface agricole qui n'est plus cultivée parce que les sols sont dégradés, morts, on ne peut plus rien faire dessus en agriculture. Mais avec des sols comme ça, on sait faire des forêts qui reforestent, qui produisent à manger, qui produisent de la matière, de l'énergie, des médicaments, des fourrages... Donc on n'a que commencé sur ces 20 millions de kilomètres carrés. La moitié de 40 millions de kilomètres carrés, ça laisse de la place. Donc, en fait, il n'y a pas concurrence. C'est nos systèmes. On est colonisé. On est dans un système, ça fait 10 000 ans qu'on est colonisé par le système agricole. Donc nos connaissances, les pauvres agriculteurs, ils font de l'agriculture. On leur a appris ça. Ils ne savent pas qu'ils font une entreprise de destruction. Et puis, en attendant, on n'a pas mis en place de quoi nourrir les personnes. Donc, il faut bien continuer. Il va falloir faire une transition. Les agronomes, on leur apprend tout ça. Ils ne savent pas non plus. Enfin, bref, on est dans un système où on a l'impression qu'on ne peut pas faire les deux. Mais il y a absolument la place de faire les deux. Et puis, penser autrement. Penser efficace. Arrêter de penser. Il faut se chiner à gagner notre croûte ou à sortir notre croûte du sol au sens propre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une invention récente de l'humanité qui date à peine de 10 000 ans. Ce qui n'est rien de 10 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que malgré nos systèmes qui sont peu efficaces, trop productifs, on est déjà en surproduction. C'est-à-dire qu'on détruit des stocks actuellement pour maintenir artificiellement les prix du marché, pour créer une rareté. Donc la rareté, elle est purement créée par l'homme. Depuis 10 000 ans. Et avec une méthode agraire qui n'est certainement pas la plus efficace. Donc avec une méthode agraire beaucoup plus efficace, qui prendrait beaucoup moins de surface, on a un potentiel d'évolution et on peut appuyer sur l'accélérateur, sacrément. Vous pouvez faire des enfants, lâchez-vous. C'est la régénération, c'est dont on parle.
qu'il faut bien imaginer que la vie a émergé spontanément. Donc il y a une puissance de la vie phénoménale. L'agriculture passe son temps à lutter contre ça et à mettre le système dans des conditions où les plantes ne poussent pas et à lutter contre le système qui veut re-soigner. Exactement comme le corps. Pareil que l'autre filou là, qui était là tout à l'heure. Pareil. Il s'est parti en catimini, mais c'était exactement son but aussi. Hein. Donc on s'épuise. Monsieur Symptomatique, c'était son truc. On s'épuise à lutter contre le vivant sauvage pour produire ce dont on a besoin, alors que récoltons, orientons, régénérons et laissons faire. Bon, des fois, je dis un petit coup de pouce à mettre au tout début, et après, c'est impressionnant à quelle vitesse les systèmes se remettent à produire. Des exemples ? Quel exemple ? J'ai un petit peu parlé de prairies, je peux prendre 2 minutes là ? Oui, bon, on a un exemple, par exemple, moi que je trouve assez parlant. On a vous savez, l'Arizona. Donc, je rappelle, n'oubliez pas qu'en amont de tout ça, partout avant sur la planète, on avait des forêts, à quelques exceptions près, même si ce n'est pas encore bien admis. Donc, voilà, on a rasé ces forêts, on se retrouve avec deux cas de situation, en fait, deux cas types. Ou des écosystèmes qui repartent spontanément en forêt, qui repartiraient si on enlevait les activités humaines, il suffirait d'enlever l'agriculture et l'élevage et ça se reforesterait, c'est la majorité des cas. Et donc on pourrait tout à fait concevoir des systèmes en permaculture puisqu'on a 20 millions de kilomètres carrés inutiles et puis on retire les activités humaines et on laisse les champs repartir en forêt puisqu'il n'y a plus concurrence. Et puis il y a des cas où c'est un petit peu bloqué dans des systèmes, vous appelez ça des systèmes, comment on appelle ça, à équilibre instable. Hein. Vous savez, l'équilibre instable, c'est ça. Alors, ça tient, une petite chiconode et ça part. Donc, on a un exemple, par exemple, je donne un exemple. En Arizona, des déserts qui sont déserts depuis que l'homme a déforesté et puis qui sont bloqués à ce stade-là depuis... Donc des décennies, des siècles, je ne sais pas exactement. Et faire un parallèle, tu vois, moi je prendrais par exemple, c'est pour ça que souvent on me dit, ouais, le corps il se régénère tout seul. Je dis non, des fois il y a des états de désert, c'est-à-dire que sans une petite chiconode, la personne, tu auras beau la faire manger crue simplement, ça ne va pas suffire, elle ne va pas redémarrer parce que le système nerveux, il est complètement HS. Il faut quand même un minimum de ressources. Et ces déserts-là, s'il n'y a pas un peu d'activité humaine pour le relancer, mais bien orienté, ça ne bouge pas. Tu as beau le laisser à lui-même, ça ne bouge pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être vraiment un tout petit input, hein, un tout petit, je ne sais pas ce qu'on peut dire, investissement. Donc, l'expérience dans un tel désert, dans le désert de la mort, là, Arizona, on a fait passer une espèce de grosse machine, grosse comme une moissonneuse-batteuse, là, qui est une espèce de gros rouleau à l'avant métallique, avec des espèces de trucs en tôle, comme ça, en forme de V, et qui, en roulant, font des empreintes dans le sol. Imaginez des espèces de petites tranchées dans le sol en forme de V, pas très large, hein, peut-être 30, 40, 50, on ne voit pas bien parce que c'est surtout détaillé sur une vidéo, et pas très haute. On passe une fois cette machine, on a juste fait donc des trous, quelque chose qui était au hasard, on a fait des trous de temps en temps. Et puis on s'en va. Et puis spontanément, pousse immédiatement une prairie. Alors, parce que les graines, on n'a pas rajouté de graines, on n'a pas rajouté d'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bon, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais un des gros principes de la permaculture, c'est d'exploiter ce qu'on appelle les non-linéarités des systèmes vivants. Donc, je vais faire court, les systèmes vivants sont non-linéaires, ça veut dire que parfois, peut avoir des immenses conséquences. Les permaculteurs se sont fait une spécialité de traquer et d'utiliser les non-linéarités dans les systèmes vivants pour optimiser le truc. Donc, on a fait ce petit truc-là, ça part en... Qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ces petits trous, il y a toujours un peu de vent, va s'accumuler les particules les plus fines. Les particules les plus fines, par définition, sont les particules d'argile, base de la fertilité. Vont s'accumuler un petit peu la nuit. Il y a un gros différentiel de température, hein, entre le jour et la nuit dans les déserts. Donc il y a de l'humidité qui va quand même condenser la nuit, parce que la température devient très basse la nuit, relativement à la journée. Cette humidité va se conserver beaucoup mieux dans un petit creux que si c'était à plat. Et puis, il y a un petit peu des mues de serpents, 4 épineux, un tout petit peu de matière organique qui va venir là. Et puis, il y a des graines. Et tout ça est amené par l'air, par le vent, et ça se cumule au fond. Ça suffit pour faire franchir ce qu'on appelle un seuil de discontinuité à cause de la non-linéarité des systèmes. Et les graines, avec cette petite humidité, vont germer. Et puis, une fois qu'on a une prairie, l'expérience s'est arrêtée là, à ma connaissance. Mais une fois qu'on a une prairie, il n'y a rien de plus simple que de semer là-dedans
à la volée, même par avion, un mélange d'une diversité sérieuse d'espèces, depuis les herbacées, les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux, les arbustes, les arbres, pionniers, incapables de supporter la pleine lumière, ce qui est une minorité. Et puis, on sème ça une fois, puis c'est fini. La forêt est repartie. Et on n'aura jamais arrosé. Mais voilà, donc c'est un exemple, on a fait une petite chiconode. Sinon, on retire les activités humaines d'un écosystème, il repart en forêt. Donc faisons-le tout en préservant nos ressources, hein, bien sûr, notre capacité à produire nos ressources, la permaculture le permet, et puis on n'a aucun problème. J'ai un exemple, ça, moi, par exemple, moi, je viens des Pyrénées-Orientales, et par chez moi, on a heureusement arraché toutes les vignes. La vigne étant l'une des cultures les plus polluantes de la planète, moi ça me réjouit plutôt. Et à la place des vignes, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils poussent? Ils poussent des genêts en grande quantité. Et tu as les gens du coin qui s'échinent à couper les genêts, parce qu'ils disent c'est moche. Or, le genêt, ben, c'est l'une des étapes de la réhabilitation des sols. C'est-à-dire que le genêt pousse et c'est à l'intérieur de l'ombre des genêts que les choses vont pouvoir germer. Donc, c'est un peu comme le symptomatique. Si on considère que le genêt, c'est le problème, on coupe le genêt, le sol restera toujours bloqué à l'état de désert et de friche. Par contre, si on laisse le genêt se mettre en place, ensuite, derrière, il va y avoir d'autres arbres qui vont germer. Au bout d'un certain temps, les genêts vont disparaître, exactement comme les ronces disparaissent au bout d'un moment. Il n'y a pas de ronces dans un sous-bois. C'est, les ronces apparaissent dans les espaces ouverts. À partir du moment où les arbres ont poussé, les ronces, elles disparaissent. Donc, couper les ronces en permanence, c'est empêcher le processus de se passer, ce processus de retour à l'équilibre. Yeah. Et plus globalement, hein, il faut quand même savoir que, à peine, enfin, bon, je n'ai pas détaillé, mais là, je dis une chose. La photosynthèse, donc la capacité des feuilles à fabriquer les tissus des végétaux, à faire pousser les végétaux, à fabriquer donc tous nos nutriments, hein, puisque de toute façon, on mange en amont des feuilles, des fruits, des racines, ou des animaux qui ont mangé des végétaux, hein, je l'ai dit. Bon, cette photosynthèse, c'est une grosse erreur de l'agriculture, ne fonctionne pas correctement avec la lumière directe du soleil. Là, on se voit très bien, mais je ne suis pas le soleil, vous n'êtes pas le soleil, et je vous vois, on se voit. On fonctionne en lumière réfléchie. La photosynthèse fonctionne en lumière réfléchie. Hein, regardez la surface totale de feuilles d'un arbre, si on fait la somme là, cumulée, c'est en centaines d'hectares que ça se compte. Pour un arbre banal, a donc plusieurs centaines d'hectares de feuilles de surface foliaire cumulées. Bah, sur ça, tu en as à peu près un cent millième qui prend la lumière directe du soleil. Et ces feuilles extérieures, elles ne fonctionnent pas bien. Donc la photosynthèse se fait avec une ombre dosée, une lumière indirecte. Ça, c'est la première chose. Donc, à peine 10% des espèces sont capables de germer et de croître en pleine lumière, avec la lumière directe du soleil. Ça s'appelle des pionnières. Elles sont en général aussi capables de croître sur le sol où il n'y a pas de matière organique, où il n'y a pas de fertilité. Bon, bah, 10% des centaines de milliers d'espèces qui existent sur la planète, ça laisse la place, le choix d'espèces pionnières. Et donc, les rosacées pionnières dont tu parles, ronces, aubépines, églantiers, prunelliers, sont des pionnières qui ne poussent qu'en milieu ouvert, donc en pleine lumière, et qui vont disparaître lorsque le milieu se referme, lorsque la forêt prend. Les légumineuses pionnières de chez nous, coronies, genêts, cities, pareil, etc., etc. Et toutes nos salades sauvages, toutes les mauvaises herbes de l'agriculture sont des pionnières, quasiment toujours. Et donc l'agriculture passe son temps à lutter contre ces choses-là. Sans compter qu'elle ramène de la... Alors, ces pionnières font quoi? Que ce soit des herbacées, que ce soit des arbustes, ou que... on a des arbres pionniers, hein, les frênes sont pionniers, par exemple. Bon. Donc, toutes ces espèces pionnières, leur rôle, c'est de créer ce qu'on appelle la phase pionnière, de reconquête du milieu à partir du milieu ouvert. Hein. Ça peut être un incendie, ça peut être un champ, ça peut être un labour, ce que vous voulez. Ça va revenir à la forêt spontanément par une phase donc, pionnière à base d'espèces pionnières. Et cette phase pionnière se suicide, entre guillemets, parce qu'elle rétablit de la fertilité dans le sol, elle remet de la litière, du mulch, elle permet à nouveau donc aux micro-organismes de vivre, parce que, la, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la seule condition pour que les micro-organismes qui fabriquent la fertilité du sol soient présents, c'est qu'ils aient un toit, donc une litière, que le sol ne soit pas à nu. Et puis, ces espèces pionnières mettent de l'ombre dans l'écosystème, et en mettant de l'ombre, petit à petit, elles défavorisent leur propre germination, puisqu'elles préfèrent pousser quand il y a plus de lumière. Et par contre, elles vont favoriser, en refermant le milieu, un milieu de plus en plus sombre qui lui favorise les espèces non pionnières, qui sont les espèces de la fin de la forêt. On appelle ça le stade climax, ou des espèces climaciques. Et donc, un écosystème va passer du stade pionnier, du stade moins pionnier, puis plus climacique, etc. Et donc, nous, permaculteurs, on va jouer sur ces clés-là, sur la lumière. Qui est c'est quoi l'accélérateur et le frein, là?
Ben, l'énergie, c'est le soleil, c'est la photosynthèse. Donc nous, on va piloter la lumière, voilà, c'est ça, piloter notre manette des gaz, là, de manière à avoir, ben, si on veut produire plus d'espèces climatiques, je veux du chêne, c'est climatique, je veux des fruitiers, en général, sont climatiques, bon, je veux des pionniers, ben, je vais mettre moins d'ombre, mais quand même un petit peu d'ombre, mais plus de lumière, etc., on va piloter ça. Voilà. Et donc, toutes ces pionnières consomment les... Alors, il y a l'ombre, il y a la fertilité, il y a les déséquilibres du sol, je finis avec ça. Il y a les carences du sol, et puis il y a les engorgements du sol. Il y a des espèces, dans des sols carencés, en ce que vous voulez, qui vont pousser... Alors, toutes les espèces qui poussent spontanément quelque part sont les espèces qui consomment les conditions de leur domination dans le système. Donc, ils consomment exactement soit le trop qu'il y a de quelque chose, soit rétablissent la carence de ce quelque chose. Et donc, si on laisse les chardons, les rumex, les liserons, tout ce que vous n'aimez pas, les chênes dents, et puis si on laisse les choses, le genêt, faire son travail, ils vont disparaître parce qu'ils auront rééquilibré le milieu, comblé des carences, détoxifié, enlevé ce qu'il y a en trop, les engorgements, ce que vous voulez. Et petit à petit, on va aller vers des sols de plus en plus équilibrés, de moins en moins toxiques, qui vont faire pousser des meilleurs végétaux, de plus en plus nutritifs et de plus en plus fertiles. Et donc, de plus en plus abondants en qualité, quantité, diversité, incluant les micronutriments. Parce que ça ne sert à rien de faire pousser dans l'agriculture des tonnes de bouffe où il y a plus d'oligo-éléments, plus de minéraux, plus de vitamines, plus de catalyseurs du métabolisme. On peut avoir tout ce qu'on veut si les réactions ne sont pas catalysées. Pardon. Ça ne sert à rien. Et donc ça, c'est les micronutriments. Et ça, c'est, si on n'a pas des micro-organismes, si on n'a pas de la fertilité dans le sol, on ne les aura pas. J'ai une autre question ici. Ici, là. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Je voulais poser une question par rapport aux graisses végétales, notamment l'huile de coco. Et je voulais savoir aussi ce qu'il y avait en France par rapport à ces choses-là. Est-ce qu'il y avait d'autres huiles, d'autres graisses de coco? Parce que je sais le désastre, par exemple, de la graisse de palme. Voilà. Et je dois dire, je remercie beaucoup, beaucoup cette conférence parce que, je dois dire, le mélange de Thierry et d'Escoffier, je trouve que c'est un beau mariage. Alors, ta question, Jean, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à l'huile de coco et ouais. L'huile de palme? Voilà, c'est tout à fait ça ce qui m'intéresse. Parce que je sais que, notamment pour les gens qui ont des problèmes de digestion, je sais que la graisse de coco est extrêmement intéressante pour équilibrer justement et peut-être aussi éviter les graisses animales. Alors, je vais reprendre d'un point de vue physiologique. Eric, toi, tu réponds d'un point de vue biologique. D'un point de vue physiologique, à part le lait maternel, il n'y a aucune graisse similaire à l'huile de coco. C'est ce qu'on appelle des graisses à chaîne moyenne, donc qui sont ultra digestes, qui ne demandent pas de bile, pas d'enzymes digestives, pas de lipase pour être digérées. Donc c'est ultra digeste. L'huile de coco a vraiment des particularités qui la rendent vraiment singulière, qui devrait faire aussi en sorte peut-être qu'on la garde pour des usages, vraiment pour des personnes qui en ont vraiment le besoin. Mais on sait aussi que pour tout ce qui est neuro-régénératif, par exemple au niveau du cerveau, l'huile de coco a des vertus qu'aucune autre ne peut égaler. C'est clair, c'est malheureux. Effectivement, j'imagine que la culture du coco, si elle devient comme la culture du palmier à huile, ça va devenir un désastre écologique dans ces pays-là, donc ce n'est pas une solution. Est-ce qu'on a quelque chose, je ne crois pas, qui soit équivalent? Alors, je vais répondre déjà de l'amont. Bon, déjà, il faudrait regarder si parmi les centaines d'espèces de palmiers qui existent, autres que l'espèce de palmier qu'on appelle cocotier, il n'y en aurait pas certaines qui auraient des lipides proches, va savoir, j'en sais rien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avant que j'oublie, au passage, là-bas, là où c'est tropical, le coco, on peut absolument cultiver des cocotiers en plein milieu d'une forêt, en produisant tout ce qu'on veut en même temps, donc ce n'est pas un problème. Bon, voilà. Où sont les... Ah bon, pour cette catégorie de lipides-là, je peux pas, je sais pas. Par contre, où sont les lipides sur la planète? Ils sont à deux endroits uniquement. Trois endroits. Chez les animaux, bon, ça on sait. Et puis, chez les végétaux, c'est soit dans les graines lorsqu'elles sont comestibles, soit dans certaines chairs de certains fruits comme l'olive, l'avocat, la quille, le fruit de pili, des choses comme ça. Voilà. Donc, chez nous, c'est vrai que des graines, des fruits à chair oléagineuse, il n'y en a pas des tonnes.
Donc on a des graines, par contre on a une diversité de graines, amandes, noix, noisettes, xanthocéras, pécans, pistachiers, pignons, tout ça, ça fait de la protéine et, de, et des oléagineux, et puis des graines d'autres espèces aussi. Là j'ai pris que les arbres, parce que je préfère toujours parler des espèces pérennes, c'est beaucoup plus productif. Voilà. Et puis j'imagine que quand même, si tout va bien, si le, l'écosystème est OK et si on mange correctement depuis un certain temps, on n'a plus besoin de quantité absolument de ce lipide-là particulier. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un organisme qui fonctionne de manière adéquate se caractérise par exemple, une capacité à se passer de nourriture pendant un certain temps qui est importante. Plus une personne est épuisée, moins elle a la capacité à se passer de nourriture, à le manger très régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'elle est sujette à des tas de ce qu'on appelle des hypoglycémies. C'est une raison purement hormonale. Il manque certaines hormones, dont le cortisol, qui fait que la personne ne peut pas tirer parti de ses ressources. Et c'est, ça devient, on en arrive même des fois à des paradoxes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pléthoriques, qui sont en surpoids, mais comme elles sont épuisées, elles n'ont pas les hormones qui leur permettent de tirer parti de leur masse grasse. Et donc, elles ont tout le temps faim, alors bien même qu'elles ont déjà des réserves. Mais ça, une caractéristique d'une personne qui aurait son système intestinal, son système digestif, son système corporel complet qui se serait réhabilité, c'est qu'elle peut passer longtemps sans avoir de nourriture. Et de la même manière, elle peut substituer une nourriture à une autre. C'est-à-dire que, normalement, l'organisme humain, il a une capacité d'adaptation qui est colossale. Ça se fait physiologiquement parlant avec le foie, par exemple, qui est le grand transformateur du système. Il prend des nutriments et puis les transforme en d'autres. Il y a même un scientifique qui s'appelle Louis Kervan qui a montré qu'on pouvait vraiment faire des sauts de classe d'aliments. Ça s'appelle la transmutation biologique. Et il montre qu'à partir de sucre, on pourrait synthétiser des protéines même, si le foie fonctionne de manière adéquate. Donc la capacité adaptative du corps humain, elle est colossale. Et c'est rassurant, parce que l'humain, il a été dans un environnement qui n'était pas toujours pile poil en réponse à ses besoins. Ça, c'est très moderne, ça, hein, d'avoir accès à une diversité en permanence tout au long de l'année. L'humain a existé avant les frigos, avant les supermarchés, et à ce moment-là, ben, il devait fonctionner avec ce que lui donnait son environnement. Et donc, il y a une capacité adaptative du corps, oui, à condition que le système nerveux, que le système hormonal et que le système digestif fonctionnent de manière adéquate. Donc, moi, l'huile de coco, je dis, OK, bon, c'est une bonne alternative, mais il faut aussi apprendre à pouvoir s'en passer au bout d'un moment. C'est-à-dire que peut-être réservons-le pour les personnes pour qui c'est vraiment important, tu vois, si c'est une question d'approvisionnement, tout ce qui est neurodégénératif, par exemple, Parkinson, Alzheimer, ainsi de suite, le nombre d'études sur l'efficacité de l'huile de coco pour recréer des neurones dans cette zone-là, c'est stupéfiant. Donc c'est quelque chose d'incontournable. Et puis, bon, il y a la diversité et la qualité de l'écosystème, incluant la qualité nutritionnelle des végétaux. Et avec les sols qu'on a dans l'agriculture, aujourd'hui, même en bio d'ailleurs, nos nutriments sont carencés, ils n'ont pas les nutriments. J'aimerais bien savoir ce que donne en termes, par exemple, de capacité à créer des phospholipides dans le corps, quelqu'un qui mangerait une alimentation où il y a à nouveau le phosphore qui est débloqué dans le sol et non pas carencé ou bloqué, et voilà, des choses comme ça. Donc, les nutriments ne sont plus là. Alors, forcément, on fonctionne mal et peut-être qu'après, on dépend de l'huile de coco. On a une vision extrêmement fragile du corps humain. C'est-à-dire, par rapport à notre expérience présente, on expérimente des corps humains qui ont une capacité adaptative extrêmement limitée, qui sont très, très sensibles, qui se dérèglent au moindre petit travers. Mais ça, ce n'est pas la réalité du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain est vraiment un organe, un système, on va dire, d'une adaptation colossal, sauf qu'on n'y a plus accès. La priorité, c'est d'y avoir accès. Et pour moi, l'une des clés d'accès à cette capacité du corps humain, c'est avant tout la force du système nerveux. J'en démords pas. C'est pour ça que pour moi, la première des maladies, c'est l'épuisement et le stress. C'est clair. Et c'est la caractéristique de notre époque. C'est pour ça qu'on va si mal. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour le repos, pour la vacance, pour la liberté. On a des programmes qui sont hyper, hyper chargés et je n'ai pas embrayé sur les enfants, mais pour moi, c'est là que commence la première dégénérescence. C'est ces enfants qu'on occupe de 8h du matin à 8h du soir avec des rythmes pas possibles. C'est totalement anormal. Je veux dire, déjà, on flingue les systèmes nerveux dès le plus jeune âge. Alors, je suis pas conspirationniste, mais j'en viens me demander quand même parfois si c'est pas à dessein. C'est-à-dire que c'est normal. Si on casse le système nerveux d'un individu, il est tout bon juste à surnager comme ça, à nager la brasse et puis à respirer à la surface. Mais en termes d'initiative, d'énergie, de créativité, donc de capacité aussi à remettre en cause les structures existantes, à les renouveler, à les améliorer, parce qu'on parle toujours de renverser les structures existantes,
mais passer, disons, dans la création, finalement, on passe d'une étape à une autre, c'est un système normal. La stagnation, c'est quelque chose qui est complètement anormal. Avoir des structures qui perdurent ad vitam aeternam, c'est complètement anormal. Donc pour moi, l'épuisement de ces systèmes nerveux liés au délire du travail et des rythmes qui nous sont imposés, et au stress induit par les relations humaines, l'individualisation, les ondes des téléphones portables et tous les rayonnements électromagnétiques, tout ça, c'est l'une des causes premières de l'épuisement et de l'incapacité des êtres humains à se régénérer de manière adéquate. Alors, j'ai quelqu'un qui voulait rebondir sur ce que vous disiez. Ah. Bonjour. Oui, donc dernièrement, j'ai vu le médecin du travail. Donc, il me connaît bien et puis il m'a demandé comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, je lui ai raconté l'expérience du vivre cru. Ah, il me dit oui, j'en ai entendu parler. Mais bon, ça peut être dangereux parce que est-ce que tu utilises des huiles ? Alors, je lui ai dit non, je ne mange pas d'huile. Alors, il m'a dit mais c'est très dangereux parce que ton intestin n'est pas lubrifié. Il faut absolument que tu, au moins, si tu ne veux pas grossir, il faut que tu prennes de l'huile de paraffine. Bon, donc heureusement je ne l'ai pas trop écouté et puis en allant voir mon hygiéniste du côlon, je lui en ai parlé, elle m'a dit oulala, surtout pas, c'est le pire des poisons parce que en fait c'est une huile qui se dégrade très très lentement et elle peut mettre des années à s'en aller de ton corps. Et alors ça m'a fait revenir en arrière, lorsque j'avais 15 ans, que j'avais déjà des problèmes de poids, on m'avait fait faire un régime alimentaire justement à base d'huile de paraffine. Alors ma question est de savoir comment me sortir de ça, de cette huile qui est certainement encore dans mon corps depuis tout ce temps-là. Et voilà, je ne sais pas trop comment faire. Pour dégager l'huile de paraffine. Oui, et puis est-ce que les problèmes que j'ai au côlon, parce qu'elle m'a dit que j'avais un très gros problème au côlon, est-ce que ça peut venir de là? Pourquoi pas? J'en sais rien. C'est possible, certainement possible. L'huile de paraffine, c'est pas comestible. Si tu avales du gasoil, forcément, ça va moins bien marcher. Là, c'est un peu pareil. Donc, après, tout se nettoie. Tout se nettoie dans le corps. Franchement, quand je vois ce qui peut se reconstruire, quand je vois ce qui peut se nettoyer, le truc auquel je pense là, parce que tu parles aussi de questions de prise de poids et de régime, je voudrais en dire quelques mots quand même, parce que il y a une croyance qui est complètement erronée. La plupart du temps, on pense qu'il faut faire un régime pour perdre du poids et pour être en bonne santé. C'est juste une formidable ânerie. C'est juste l'inverse. Il faut être en bonne santé pour perdre du poids naturellement et retrouver un poids qui soit adéquat. Donc on pense qu'il faut maigrir pour être en bonne santé. Il faut être en bonne santé pour maigrir. C'est juste l'inverse. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens, mais normalement dans le corps, le surpoids n'est pas possible. Il y a tout un système d'hormones qui régule le poids. Le corps humain, il n'est pas fait n'importe comment. On ne va pas enfler de façon démesurée. Il y a un système d'hormones qui est là pour réguler la prise de masse. Si ça ne fonctionne pas, la plupart du temps, on a montré que c'est parce qu'il y a un état inflammatoire global dans le corps. C'est ça qu'il faut cibler, plutôt que d'essayer de se contraindre, parce que de toute façon, si on s'affame, il y a des productions d'autres hormones qui vont faire en sorte que notre appétit va redoubler. Donc on va tenir au mental pendant un certain temps, puis après on va lâcher et on va reprendre deux fois plus de poids. Qui plus est, les hormones qui ont été libérées, eh bien, il y a une hypersensibilité des récepteurs de ces hormones, ce qui veut dire qu'on va avoir un appétit qui va être décuplé par rapport à ça. Donc la perte de poids, c'est l'énorme arnaque de notre civilisation. On pense que c'est une question de volonté, on pense que c'est une question de quantité, alors que c'est ni une question de volonté, ni une question de quantité. C'est une question de choix, de qualité de produit. Et à partir du moment où on fait des choix adéquats, c'est-à-dire qu'on diminue l'inflammation du corps, qu'on se remet dans un état de santé, à ce moment-là, le poids du corps se régule de manière adéquate. Après, pour tout ce qui est stagnation de matière dans les intestins, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, techniquement, il n'y a pas d'autre moyen que de faire confiance au corps pour se nettoyer lui-même. C'est juste ça. Ça serait mentir que de dire le reste. Alors, tu vas avoir des produits, des plantes médicinales qui peuvent aider à balayer, ainsi de suite. Ça va y participer. Mais au final, moi, j'aime bien quand même citer cette phrase d'un médecin qui s'appelle quand même Ambroise Paré et que je trouve, mais d'une finesse incroyable et qui se remettait bien à sa place. Et pourtant, Ambroise Paré, il est quand même cité. C'était un grand médecin de l'époque, un très grand. Et lui, il disait « Moi, je soigne et Dieu guérit ».
Alors, que vous soyez croyant ou pas, peu importe, vous dites, moi je soigne et le corps guérit. C'est-à-dire que dans la guérison, nous, on a juste un rôle de donner les bonnes conditions pour qu'elle advienne. Mais est-ce qu'elle va advenir, est-ce qu'elle ne va pas advenir, ça ne dépend pas de nous. On ne pilote pas tout. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à s'ancrer dans le cerveau. On n'a pas toutes les données. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner les bonnes conditions. Donc, il faut étudier ces conditions, les connaître, les donner, donc apporter du soin. Et je trouve que c'est fabuleux. Être soignant, je trouve que c'est l'une des plus belles fonctions de l'humain. Par contre, on n'est pas guérisseur, on est soignant. Et une fois qu'on a donné ces bonnes conditions, eh ben, il n'y a plus grand-chose à faire, il faut attendre. Et si ça ne vient pas, eh ben, il faut vraiment vérifier si toutes les conditions ont été remplies, voir s'il n'y a pas un truc ou deux qu'on pourrait rajouter en termes de bonnes conditions, mais attendre, attendre jusqu'à ce que ça advienne. Et des fois, eh ben, il y a des tas de processus qui sont, que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, et qui pourtant se mettent en place, et qui vont faire en sorte que d'un seul coup, pouf, ça va redémarrer. Ben moi, je parle de mon expérience, mais franchement, j'ai, pour ceux qui connaissent mon histoire, moi, je suis tombé très, très bas il y a 8 ans à peu près. Quand j'ai commencé les vidéos, j'étais pas bien frais, hein, alors que ça faisait 4 ans que je mangeais cru. J'étais vivant. Par rapport à l'état où j'étais au départ, j'étais nettement plus viable, mais j'étais pas fringant, quoi. Les premières vidéos, on s'enfuit, quoi, quand on les voit. Maintenant, même quand je les vois, je me fais peur. Donc, c'est réel. Hein. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? En avril, mai dernier, en 6 mois, j'ai pris à peu près 15 kilos. Et je ne me suis pas piqué à l'EPO, je n'ai pas pris de testostérone, je n'ai rien pris du tout. Ça s'est fait, ça a démarré parce que c'était prêt. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? J'en sais rien. Je ne peux pas dire que je me suis plus reposé. Au contraire, j'ai encore plus bossé que d'habitude. Donc, je n'étais pas plus reposé. Non, ça s'est fait. C'était prêt, ça s'est fait. Mais je savais, chaque fois qu'on m'embêtait avec mon poids, par exemple, mais je disais, moi, je fais ce qu'il faut pour que ça redémarre. Donc maintenant, je vais attendre que ça redémarre. Je ne peux rien faire de plus. Je n'ai pas commencé à boire de l'huile à la bouteille. Ça ne changera rien. Ça va me charger le foie. Je fais ce qu'il faut. Je me nourris assez. Je suis dans les bonnes conditions. Ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Voilà, par rapport à la prise de poids, par rapport au nettoyage et tout, c'est... Il y a une dimension, mais de toute façon, qui est partout. Hein. Quand j'utilise ce mot, des fois, ça fait frémir. Il y a une dimension de la foi là-dedans. Hein. C'est-à-dire savoir que ce que l'on fait, c'est bien, et s'occuper d'autre chose. C'est comme quand tu plantes un arbre. Tu plantes ton arbre, hein, tu le mets dans ton trou. Bon, l'idéal, c'est de semer un noyau. Mais bon, ouais, imaginons. Ce serait mieux ça qu'il faudrait dire. Ouais, voilà. Semer un arbre. Tu sèmes un arbre, tu sèmes ton noyau, d'accord? Tu vas t'assurer qu'il reçoit suffisamment d'eau, donc tu vas checker un peu les puits pour savoir qu'il a bien reçu assez d'eau cette année-là. Tu vas t'assurer qu'il y a une bonne couverture du sol, un bon mulch, de manière à ce que ça ne se déshydrate pas. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas passer tes journées à zioter le trou en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas. » Des fois, ça met 2 ans, 3 ans. Moi, il y a des graines que j'ai balancées il y a 3 ans, et d'un seul coup, elles sortent. Pourquoi est-ce qu'elles ont mis 3 ans? Parce que les conditions, maintenant, sont établies. Donc, on ne va pas passer notre temps à regarder la graine. On sait qu'on a donné les bonnes conditions. On y revient régulièrement pour vérifier qu'on n'a pas oublié un truc, qu'il n'y a pas un animal qui a déterré, qui a creusé dans le trou et qui a piqué la graine. Bon, parce que ça, il faudrait y remédier. Mais une fois que c'est fait et on laisse se faire. Mais pour ça, il faut connaître les bonnes conditions pour que la graine germe. Incluant les conditions de levée de dormance de telle espèce qui peut être différente d'une autre, etc. Mais il y a en amont, enfin, pas en amont, parallèlement à la fois, il y a la réalité. Quand on fait ce qu'il faut, on donne les conditions correctes, force est de constater que la plupart du temps, ça marche. Ça marche. La graine, elle germe et l'arbre, il pousse sans qu'on fasse rien. Mais parce que, voilà, on a respecté les lois pour cette espèce. Mais on a perdu une part de l'émerveillement. Moi, voir germer une graine, moi, je trouve toujours que c'est un miracle. C'est un peu comme quand je dis le truc bêta, je dis, ouais, tu te coupes avec un couteau et puis ta plaie, elle cicatrise. C'est normal, mec, ça peut être cicatrice, il n'est pas super fort. Mais attends, mais c'est juste incroyable, quoi. Ça pourrait rester à pisser le sang toute ma vie durant. Pourquoi est-ce que ça se reconstruit à ce niveau-là? C'est bien qu'il y a de la reconstruction de tissu, et j'y suis pour rien. C'est pas en plantant mon regard dans ma cicatrice que ça va se réparer, hein. C'est pas en faisant des invocations. Non, par contre, c'est certain que si tous les jours, quand j'étais petit, je faisais ça, si tous les jours je gratte la croûte, là, hein, ça y est, hein, je gratte la croûte, et on m'engueulait, on me disait, non, mais si tu fais ça, ça va pas guérir. Ben, c'est normal, je venais gratter la croûte, ben, ça remettait à saigner, mais je pleurais un bon coup, puis on me disait, ben non, il faut pas te gratter. Donc on me mettait un pansement, puis je l'enlevais. Bon, ben, là, je respectais pas le processus. Mais si je respecte le processus, ça se fait, j'y suis pour rien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour la graine, c'est merveilleux pour la forêt. On l'imagine pour la graine, on l'imagine pas à l'échelle de la forêt. Pour le corps, c'est pareil. On l'imagine pour le couteau qui va entailler la peau. On dit ça, c'est normal. Allez, le foie, à la rigueur, il peut repousser. Mais le reste, bah, c'est bon. Et pour ça, souvent, on me dit, ouais, Thierry, est-ce que ça repousse? Je dis, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis prouve-le. Si personne ne l'a fait, prouve-le. Par contre, si notre alimentation est carencée, par exemple, il n'y a pas les matériaux. Il y a des conditions. Et là, si tu ne dors pas, c'est clair que le système nerveux, pour se réparer, il faut dormir. Pardon? Les nutriments qui manquent dans les aliments. Voilà, exactement. Aussi, si tu consommes que des aliments qui sont poussés en hydroponie sur des sols qui ont pas de minéraux, qui ont rien. Mais même en agriculture. Même en agriculture. Ils sont carencés. Même en agriculture bio. Même en bio. On est tous soutenus. Mais l'agriculture est en train. Oui. On n'y peut rien. Manger s'il n'y a pas de couverture du sol. Bonjour. J'ai deux questions. Normalement, c'est pour Thierry, si tout va bien. En fait, c'est pour revenir sur le régime GAPS. Voilà, savoir les différences, similitudes, tout ça, avec le régime cétogène. Voilà. Et si tu tires les mêmes conclusions. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à un régime cru, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un extracteur, de pas, voilà, si matériellement c'est pas possible, ou si voilà, dans la nature, il n'y a pas forcément des extracteurs. Voilà. Est-ce que c'est possible quand même? Comment est-ce qu'il y a d'autres solutions ou pas? Voilà, donc ces deux questions. Et si, Eric, si tu peux trouver un avantage à l'agriculture d'aujourd'hui quand même, c'est pas mal. Merci. Il va se concentrer pendant deux minutes, il va nous trouver quelque chose. Alors, tu poses la question, donc quelles sont les similitudes, c'était ça ta première question, et les différences entre le régime, là qu'on disait GAPS, et le régime cru? Non, cétogène. Alors, régime cétogène, c'est un régime dans lequel il n'y a pas de sucre, hein, pas du tout de sucre, il n'y a que des corps gras, hein, et le but c'est de produire ce qu'on appelle des corps cétoniques, hein, qui nourrissent la cellule et qui permettent finalement de nourrir le cerveau aussi d'une certaine manière. Alors, je vais te dire, par expérience, voilà où j'en suis arrivé. Après des années d'auto-gouroutisation, moi aussi, à éplucher Internet, à voir tous les régimes, j'ai tout essayé. Le régime cétogène aussi, j'ai essayé. J'en suis arrivé à la conclusion que tout régime excluant, c'est-à-dire qui exclut une quantité de nutriments, qui exclut les lipides, qui exclut les sucres, qui exclut totalement les protéines, de façon ponctuelle, ça peut marcher avec une finalité. De manière régulière, ça ne marche pas. Parce que ça demande un effort d'adaptation à l'organisme qui est fortement impactant. Donc un régime tout lipide, ça peut avoir son intérêt. Par exemple, imaginons le gars qui est rempli de candida albicans ou de bactéries au niveau des intestins. Pendant quelques jours, pendant quelques temps, ça a un vrai intérêt, par exemple, d'arrêter complètement les sucres. En même temps qu'il va prendre des plantes qui vont être un petit peu antifongiques, ça permet de donner un bon coup aux bactéries. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que ça crée un stress au niveau de l'organisme parce que s'il n'a pas de sucre, il doit transformer des graisses en sucre. S'il n'a pas de graisse, il doit transformer des sucres en graisse et réciproquement. Et tout ça, ça crée un stress sur l'organisme. Alors, la chose qu'il faut voir, c'est que chaque fois qu'on change de régime, particulièrement, il y a toujours une phase, une espèce de petite phase de lune de miel. Hein. Et d'habitude, traditionnellement, c'est le moment où on se met à créer un site internet, à ouvrir une chaîne YouTube, à créer un commerce autour de ce régime-là. Et puis au bout de 6 mois, 7 mois, on est un peu enferré dans notre pratique et puis on ne peut pas faire machine arrière. Donc, ce que je sais, moi, du régime cétogène, c'est qu'il est extrêmement promu. Aux États-Unis, c'est la grande mode, surtout pour les sportifs particulièrement. Le régime cétogène, il est très, très, très lourdement impactant sur le foie. Et les conséquences à quelques mois, elles sont nulles. Les conséquences à quelques années, elles sont très lourdes au niveau du foie. Donc, je ne peux pas recommander quelque chose comme ça. Par contre, de manière ponctuelle, alors ponctuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques jours, quelques semaines, quelques mois, selon la personne, quelques années, voire. Hein. Mais ça, c'est une chose aussi, moi, auquel j'aimerais bien qu'on s'attache. C'est d'ailleurs particulièrement quand on parle de régime alimentaire, mais quand on parle même de conditions de vie. Hein. On fait quelque chose pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais qu'est-ce qui nous permet de dire avec une telle assurance, une telle arrogance, souvent, je ferai ça toute ma vie, je serai comme ça toute ma vie, et ça va me correspondre toute ma vie. On n'en sait rien, on n'en sait strictement rien, parce que les conditions autour de nous et à l'intérieur de nous changent en permanence. Moi, un régime excluant, trop excluant, je crois que ça ne marche pas. Je crois que ça ne marche pas comme régime pour tout le monde. Par contre, ponctuellement, ça peut marcher. Le régime cétogène, effectivement, pour tout ce qui est aussi neurodégénératif, on a vu qu'avoir beaucoup plus de corps cétoniques, au niveau de la nourriture des neurones, ça marche bien. Donc ça, c'est objectif. Ça a répondu un peu à ta question? Oui, oui. Et la seconde, c'était quoi? S'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un extracteur de jus, par exemple, quand on fait un régime cru, oui. Est-ce que c'est impossible? Voilà. Non. Non, le seul truc, c'est pour moi,
L'extracteur, tu sais, moi au début, mon truc c'était les extracteurs, tant que j'en verrais pas dans une forêt, j'en prendrais pas. C'était le truc. Donc vu que j'en croisais rarement, j'étais tranquille, j'en prenais pas. Après, j'ai quand même réalisé mon erreur. Si tu veux, il me semble qu'une des difficultés dans nos régimes, c'est de ne pas avoir assez de minéraux, particulièrement. Particulièrement aussi parce que les végétaux que nous consommons, souvent, parce qu'ils ont été cultivés dans des manières pas tout à fait correctes, dans des sols qui sont carencés, sont très faiblement concentrés en minéraux. Les extracteurs de jus m'ont semblé une alternative intéressante pour arriver à avoir un apport de micronutriments supérieur. Et en pratique, pour pas mal de personnes, ça fait une différence. Ça ne veut pas dire que ça soit indispensable, du tout. Ça, je veux dire, en pratique, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça dépend de la constitution. Si la personne a une constitution extrêmement faible, avec des défauts d'assimilation, qu'elle a les intestins enflammés, parce que d'habitude, ça va de pair, à ce moment-là, je crois que c'est quand même une sacrée aide assez incontournable. Si la personne a une très bonne vitalité, a déjà une bonne réserve minérale et ainsi de suite, elle peut tout à fait s'en passer sans aucune difficulté. Donc c'est un plus. C'est un plus, par exemple, pour les gens qui ont des grosses inflammations intestinales, des rectocolites hémorragiques, quelque chose comme ça, c'est un plus qui est indispensable pour eux. Parce que tu leur mets un légume dans le gosier, ça leur crée des... Ils se tordent de douleur pendant des semaines. En même temps, il leur faut ces légumes crus parce que c'est les seuls qui vont apporter les minéraux qui vont permettre de désenflammer la muqueuse. Donc on se retrouve dans une espèce de paradoxe. À la fois, il leur faut les légumes crus et à la fois, ils ne les supportent pas. Mais avec les extracteurs, ça permet de squeezer tout ça. Mais par contre, il y a des tas de gens qui peuvent s'en passer. Si tu veux, il y en a pour qui c'est indispensable, il y en a pour qui ça sera un confort en plus, mais pas indispensable. Ok, merci. Et Eric, est-ce que tu peux sauver l'agriculture? Tu vas me dire... Je dis peut-être une bêtise, mais même les cas dont tu parles, moi, si je n'ai pas d'extracteur et que j'ai ce que tu dis, ça va être jeûne. Je coupe complètement l'alimentation à ces micro-organismes. On peut tenir 3 semaines et un mois en jeûnant, je ne dis pas que... Tout dépend de qui. Voilà. Moi, j'ai fait 3 semaines sans aucun problème. Après, mes légumes, ils vont passer à faible dose. Et puis, mes légumes, je vais me le faire dans la bouche, le jus. Oui, ça, je vais. Donc, si tu es en condition où tu n'as pas l'extracteur, tu vas quand même t'en sortir. Il faut juste faire travailler les neurones. Et puis, voilà. Non, on peut faire ça. On peut faire ça. Ce serait faux de dire le contraire. Par contre, c'est plus difficile. Voilà. Donc, ça demande plus d'énergie si tu ne les as pas. L'extracteur, ça va aider. C'est un peu le cercle vicieux. Pour moi, plus un organisme est faible, plus il va demander de soutien extérieur artificiel pour redémarrer. C'est un peu la chiconode qu'on va donner au départ. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui me disent, qui me regardent de goguenard, qui me disent « Mais moi, je n'ai pas besoin d'extracteur de jus, je n'ai pas besoin de tous ces artifices. » Et je dis « Mais ouais, mais Coco, regarde, tu fais 80 kilos, tu cours un marathon tous les jours, tu fais de l'escalade, ta grand-mère elle a vécu jusqu'à 120 ans. Enfin, je veux dire, voilà, tu as une génétique qui n'est pas possible. Tu peux être arrogant, tu as les moyens d'être arrogant. » Mais alors, je m'élève souvent contre cette phrase, on dit souvent « Quand on veut, on peut », et j'ai l'habitude, moi, de le renverser. Je dis « Quand on peut, on veut », et on l'oublie trop. Le vouloir, si t'es épuisé, que t'as un système nerveux, t'as des intestins qui sont flingués, et ainsi de suite. Eric, citait à juste titre le jeûne, quelqu'un qui est complètement en épuisement chronique, tu le fais pas jeûner, parce qu'il va complètement partir en vrille. Mais c'est la limite. Par contre, quelqu'un qui a un organisme relativement équilibré ou à peu près correct, ça va être super le jeûne. Donc, c'est toujours en finesse. Alors, il y a des gens qui disent « Ah ouais, si les extracteurs, ça n'existe pas. » Il dit « Ok, mais pour certaines personnes, c'est vital. Pour d'autres, ça ne l'est pas. » Donc, il s'agit d'avoir la connaissance qui nous permet aussi de souhaiter que l'autre, malgré ses difficultés, puisse y arriver. C'est un peu mon discours. Et c'est pareil aussi au niveau en vitesse de transition. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai sauté du jour au lendemain dans le cru et ça s'est passé super bien. » Et je ne comprends pas. Moi aussi. Mais, et puis, je ne comprends pas. Lui, mais il met du temps. Ou mon conjoint, dès qu'elle mange un peu cru, elle me dit « Oh, j'ai des gâtes, elle ne veut pas faire d'efforts, elle ne se donne pas les moyens, et tout, et puis elle a que ce qu'elle mérite, et tatati, et tatata. » Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas les mêmes constitutions. Et dans les couples, des fois, c'est un peu rock'n'roll, quoi. Donc, voilà, c'est à chacun son parcours. L'important, c'est de connaître les bonnes conditions et de le faire de façon la plus intelligente. Parce que pour moi, il faut être efficace avant tout. Et des fois, on perd trop de temps à vouloir refuser un artifice sous prétexte qu'on est rentré dans une forme d'intégrisme. Parfois, ça ne sert à rien, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Il faut arriver à trouver la bonne dose. J'ai aucun argument pour l'agriculture, je ne sais pas que dire. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai quelqu'un qui veut poser une question aussi, donc peut-être. Merci.
Une interrogation pour Eric. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que les le champignon sous terre aidait à humidifier l'arbre qui pousse. Et si j'ai à peu près compris, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de ces élevages intensifs de truffiers qui, bien sûr, il y a des champignons souterrains, mais ça crée un brûlé tout autour de l'arbre. Mmh. Et en fait, beaucoup de gens s'escriment à arroser ou pas arroser. Bon, je pense que c'est vrai que c'est un peu artificiel. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu quelques conseils, de ne pas faire n'importe quoi? Merci. Je vais essayer. Bon, donc, effectivement, ce sont des champignons et des micro-organismes de manière générale qui transfèrent l'eau et les minéraux aux racines des végétaux. Donc ça, c'est clair. Pour qu'ils vivent, il faut qu'il y ait une couverture du sol, même fine. Hein. Dans les tropiques, tu peux avoir une feuille d'épaisseur ou quelques millimètres d'épaisseur de litière. Mais à la limite, une feuille suffit pour faire vivre les micro-organismes dessous. Là, il faut juste un toit. Bon. OK. Le brûlé, je ne suis pas pointu en trufficulture du tout. Mais à ma connaissance, je suis quand même du Var, à ma connaissance, le brûlé, c'est un symptôme qui indique qu'il y a un potentiel pour qu'il y ait des truffes. Je pense notamment qu'il doit y avoir, pour le dire de manière globale, un changement dans la proportion entre les bactéries et certains types de micro-organismes et d'autres, notamment bactéries et champignons. Je pense qu'il y aura moins de bactéries et ça va aider les champignons à pousser. Parce que tout ça, ça occupe la place, je veux dire la niche écologique ou les fonctions biologiques. Si tu as certaines bactéries en trop grand nombre, tu auras moins de champignons réciproquement. Voilà. Donc je ne vois pas l'intérêt d'arroser. Le brûlé n'est pas la conséquence. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris dans la question en fait. Le micro est parti, non ? Non, mais le fait qu'un certain nombre de trufficulteurs décident qu'il faut arroser, notamment l'été, pour donner le stress hydrique. Alors justement, c'est un peu incompatible avec la permaculture ou enfin ça s'écarte un petit peu de... Alors là, je ne peux pas répondre du tout. Il n'y a rien d'incompatible avec la permaculture. Il y a une transition. Le gars qui gagne sa vie en vendant des truffes et qui continue à vendre des truffes, ça ne l'empêche pas de faire une transition où il va peut-être se mettre à produire autre chose de manière à ce qu'il arrête demain d'acheter toute sa nourriture et qu'il ne produise pas que des truffes. Hein, parce qu'on non, mais l'idée... Mais l'idée après, oui. Est-ce qu'il faut arroser à un moment donné dans l'été ou pas pour produire une monoculture de truffes? J'en sais rien. Moi, je parierais plus sur une certaine diversité d'espèces dans l'écosystème. Mais après, je ne connais pas de manière assez pointue la truffe. Chaque espèce a ses conditions, hein, quand même. Donc, toi, si je te donne un autre exemple, si tu veux... Moi, j'avais des hyperpionnières que je voulais avoir chez moi parce que je les consomme et je les trouve très bonnes, comme, je ne sais pas, moi, le pastel des teinturiers ou je ne sais quoi, moi. Bon, bref. Ben, je ne les avais pas chez moi. Je n'avais pas de kénopodes chez moi parce qu'il lui faut d'autres conditions. Et il suffit qu'un tractopelle est venu améliorer le chemin et racler le sol et amener de la terre et puis ça a émergé. Donc il y a des conditions pour chaque espèce. Parfois non, parfois oui. Donc les conditions de la truffe exactement, je ne les connais pas. Merci. Je ne peux pas dire plus. Ben, après, encore une fois, ça peut ne pas être aberrant en transition d'arroser un bon coup. Enfin, si en arrosant un peu plus, on triple la production de truffes. Et qu'avec cet argent-là, on en profite pour créer un système à terme soutenable, cohérent, résilient, où on produit toute sa nourriture localement, et on fait vivre un éco-village et un groupe, on peut encore cultiver des truffes. Hein, voilà. Je suis là, bonjour. C'était une question pour Thierry au sujet de la régénération. Donc j'ai une varice qui est là depuis 20 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je fais des jus quasi quotidiens. Et je voulais savoir si la veine pouvait reprendre sa fonction d'origine et les valvules se remettre à fonctionner. Parce qu'il y a une déformation qui s'est faite, bien sûr, depuis 20 ans. Voilà, donc savoir s'il y a une possibilité de régénération en fait, d'une veine, si on n'est pas obligé de l'enlever et d'attendre qu'elle revienne, entre guillemets, mais plus saine. Voilà. Je l'ai déjà constaté. J'ai des témoignages. D'ailleurs, sur Livre d'Or, je pense que tu peux en trouver une ou deux. J'en avais vu passer au moins un. Une personne qui disait qu'elle avait deux varices qui avaient complètement disparu. Donc, sans intervention. Donc,
c'est possible. Après, est-ce que ça va se passer pour toi et nous ? Je ne sais pas, parce qu'il faut voir toutes les conditions, mais c'est techniquement possible. Ouais. Et d'ailleurs, ça me paraît normal que ça soit techniquement possible. Ça ne me surprend pas. Je patiente alors. Oui. Oui, donc j'ai une autre question ici. Thierry, Eric, merci d'être là. J'ai compris que je suis par ici. Coucou. Ah. Je m'appelle Arnaud. J'ai compris que vous veniez nous voir à Toulouse pour la première fois. Merci. J'ai des questions par rapport un peu à la permaculture sur une échelle de temps et de volume. Quand on regarde le site de Thierry avec les vidéos pour manger cru, on voit l'extracteur de jus, les jus, on arrive à comprendre, on l'applique à soi-même. On a peut-être des fois des difficultés pour trouver les bons produits, mais bon, on se crée des choses et puis on voit rapidement les effets. Je viens d'arriver dans la région toulousaine et j'ai des amis, il y a des collègues. Si on a envie d'avoir des arbres, si on a envie de semer des arbres, quelle est l'idée de l'échelle à avoir, l'échelle de temps ? Alors ça va bien sûr dépendre de chaque terroir, mais on peut facilement imaginer qu'un mètre carré de permaculture, c'est pas évident. 1000 hectares de permaculture, c'est peut-être beaucoup. Si on voulait être acteur comme on l'est quand on mange, quand on boit des jus, comme on l'est aujourd'hui dans cette réunion, si on veut être acteur en permaculture au-delà des stages, comment ça se passe concrètement et qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut voir, constater, qui peut exister dans la région ou ailleurs, qui fonctionne et qui donnerait des belles idées. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc ça ne va pas être évident. Et espace et temps. Une chose que je peux déjà dire, pour le temps, il y a un facteur fondamental qui est très très mal compris en général. La dynamique végétale peut varier de très très lent à très très rapide. Et le facteur numéro un qui impacte ça, c'est est-ce qu'il existe une saison de végétation ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelle techniquement une saison de végétation. C'est une saison, ou plusieurs, dans l'année, dans laquelle tu as conjonction de la chaleur et de l'humidité dans ton écosystème. Alors, les gens qui connaissent le climat méditerranéen savent que justement, ça n'existe, on va dire le climat méditerranéen sec, ça n'existe pas. Par exemple, chez moi, dans le centre Var, je vais avoir l'humidité en hiver et la chaleur en été. Et je n'ai pas de pluie de printemps, et je n'ai aucune goutte d'eau qui tombe de, allez, je ne sais pas moi, mars jusqu'à octobre, par exemple. Donc ça, c'est des climats les plus difficiles qui existent, parce que tu n'as pas conjonction. Donc tu vois, tu as ta fenêtre dans l'année d'humidité, de janvier à décembre, ta fenêtre dans l'année de chaleur au-delà de 13 degrés, bon, hein. Et puis, est-ce qu'il y a une intersection entre les deux ? Dans les pays, dans les déserts, en général, je ne parle pas des déserts, des latitudes extrêmes, hein, où il ne pleut pas, les précipitations tombent toujours sous forme autre que la pluie, hein, de neige par exemple. Mais dans la plupart des déserts, Sahel, subsahel, tropical avec de longues saisons sèches, etc., ou en Inde où il y a la mousson, ça tombe sur 15 jours, plusieurs années l'année il fait sec, bon. Ben, le peu d'eau qu'il y a, quand elle tombe, il fait chaud. Et tu as cette conjonction. Et là, c'est une dynamique exceptionnelle. Et ça peut être 10 ans de perdu sur ta pousse des arbres, par exemple. Donc tu vois, chez moi, dans les conditions où je suis, si j'avais arrosé mes arbres une fois par semaine, par exemple, ou si j'avais eu un orage tous les 10-15 jours, comme il y en avait avant, par exemple, j'aurais gagné 10 ans pour arriver à 4 mètres, par exemple, sur les arbres, sur 3 mètres, ou la mise à fruit. Tu vois. Donc voilà, ça, c'est pour donner une idée dans le temps. C'est un des critères. Hein. Pour l'espace, 1000 hectares, là, on a... Bon, alors... Encore une fois, la dynamique végétale va conditionner énormément le nombre de personnes qu'on peut nourrir sur un hectare. C'est quelque chose qui varie entre quelques dizaines dans les climats les plus difficiles à 100, voire plus, possiblement, dans des climats très favorables, là où il y a une longue conjonction de la chaleur et de l'humidité, notamment les tropiques. Bon. Voilà. Donc déjà, en termes d'espace, si tu as 1000 hectares, c'est déjà
un bel éco-village. Hein. Tu as possiblement 10 000 personnes qui vivent dessus, 50 000 personnes qui vivent dessus. Donc, bon, ce n'est pas nécessaire. Donc là, on arrive plutôt à une question. Alors, après, ça dépend de tes 1 000 hectares, parce que si c'était 1 000 hectares, tu as une montagne comme ça, attention, les pentes raides, le haut, ça doit être foresté. Bon, on ne fait pas n'importe quoi sur des pentes. On ne met pas d'animaux sur des pentes, par exemple. C'est difficile à utiliser, des pentes raides, par exemple. Donc voilà, mais si tu as 1 000 hectares assez facile à utiliser, bon, c'est beaucoup. Donc là, ça devient de l'aménagement du territoire. On va en profiter pour faire quelque chose de beaucoup plus important à une échelle beaucoup plus grande. 1 mètre carré, là, je te renvoie vers ce qu'on appelle la permaculture urbaine, qui s'est développée, c'est vrai, un peu plus tard par rapport à la permaculture originelle, hein, mais enfin, ça fait quand même au moins 10-15 ans que ça s'est bien avancé. Et on a des exemples où on peut produire énormément en ville. Donc là aussi, la permaculture aborde le problème avec son regard, je dirais, décomplexé et sans émotion et sans idéologie. On a une ville, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Dans une ville, on a beaucoup de captation de l'eau, parce qu'on a du toit qui arrive haut, on peut stocker facilement de l'eau. On a beaucoup de surface verticale, on va pouvoir faire pousser des tas de lianes. Bon voilà, par contre, effectivement, on a un milieu qui est tempéré, parce qu'il y a une inertie thermique importante quand même. Par contre, ben, on manque de carbone. Là, il va falloir faire pousser des plantes, semer à gogo, etc. Et évidemment, densifier au maximum. Mais là, on a des designs, hein, des conceptions, où sur 1 mètre carré, en utilisant la verticalité éventuellement, mais sur 1 mètre carré, on va densifier encore plus que ce qu'on pourrait faire dans un jardin normal. On va cultiver sur les toits, on va passer maître dans l'art de fabriquer du sol à vitesse grand V. Voilà, on a des exemples. La Havane, il y a l'histoire de Cuba, hein, qui s'est retrouvée brutalement coupée de ses importations, et notamment de pétrole, et qui, en quelques années quand même, a réussi à être aujourd'hui le seul pays de la planète qui est autosuffisant en alimentation, en énergie, sans pétrole, avec des niveaux d'indices de développement très élevés, hein, parmi les meilleurs des pays de la planète, en termes d'accès aux soins, accès à la nourriture, accès à l'éducation, niveau universitaire, etc., mortalité infantile, etc. Bon, voilà. Donc, au plus haut niveau, parmi les pays les plus hauts niveaux en termes d'indices de développement, autonome sans pétrole, et autonome énergétiquement, autonome alimentairement, et avec une empreinte écologique inférieure à 1. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été obligés, on leur a coupé le pétrole, hein, c'était l'accord pétrole contre sucre, hein, avec Moscou. On leur a coupé le pétrole parce que bon, les US n'ont pas voulu. Et puis sans pétrole, ils ont dû passer à autre chose. Oula. Eh bien, passer à autre chose, ils ont réussi parce qu'ils avaient une technicité. Ils connaissaient très bien la matière organique, ils avaient gardé une bonne technicité, ils avaient gardé 20% de l'activité dans la production alimentaire, alors que nous, on produit quasiment rien. Et puis, ben, voilà, ils y sont arrivés. Bon, mais la Havane, aujourd'hui, est une grande métropole autosuffisante. Demain, si on nous coupe le pétrole et l'uranium, puisqu'on n'en a pas, c'est sûr que ce n'est pas nos grandes villes françaises qui vont arriver à s'en sortir comme la Havane ou comme Cuba. Donc là, c'est pour ça que, donc, il y a une... J'ai deux petites choses à rajouter. Il y a une idée de transition. Donc la transition, c'est dire quels moyens on met pour gagner combien de temps pour arriver à tel résultat. Il y a cette idée de ce qu'on appelle le triangle impossible. C'est bien, vite, gratuit. En général, on ne peut pas avoir les trois à la fois. Donc, je vais me dire, OK, je mets un peu plus, c'est moins gratuit. Hein, alors, gratuit, ça veut dire de l'argent, parce que l'argent, c'est du pétrole, c'est de la main-d'œuvre. Je peux encore utiliser du pétrole pendant quelques temps pour créer les moyens de m'en passer à terme, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je mets plus d'input, d'énergie, ou est-ce que j'en mets moins? Pour gagner 10 ans ou 20 ans. Donc si je mets un peu plus de travail, je balance 5 000 euros, je gagne 10 ans, ça le fait. Si j'ai besoin d'une armée ou de pétrole ou de travailleurs pour gagner 1 an, 2 ans, ça ne le fait pas. Donc, voilà. Mais après, la seule réponse honnête, c'est ça dépend. Ça dépend du lieu, des conditions physiques, de la géographie physique et du groupe, la géographie humaine. Voilà. Et donc il y a cette notion de transition. Et ben voilà, je ne sais plus ce que vous dire. Mais bon. Est-ce que ça dégrossit un petit peu le... Oui, c'était l'idée de savoir ce que nous, avec suivant, on va poser comme on habite quelque part tous là dans la région. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que concrètement on peut faire? On a compris avec Thierry qu'on peut changer notre alimentation, individualiser, fonction de pas que. Pas que.
voilà, le mode de vie, enfin un ensemble de choses, effectivement. Oui, pas que l'alimentation, très bien. Mais du coup, cette alimentation, pas que, on va aussi avoir besoin de choses pour manger, qu'on peut produire en permaculture. Comment ça se passe concrètement si on veut être acteur voilà. Alors, bon, il y a ce qu'on appelait le mouvement de transition. Donc en 2006, au sud de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Totnes, il y a eu un Permaculture Design Certificate, donc, ou course. Donc un cours de conception en permaculture qui est le cours officiel international de permaculture qui dure 2 semaines, qui a été donné. Et à la fin du cours, l'enseignant, qui s'appelait Rob Hopkins, avec ses stagiaires, ses élèves, ont dit, on va faire quelque chose pour démarrer la permaculture dans notre ville. Et ça a été le début d'un mouvement historique qui s'est appelé au début les villes en transition. Donc le manuel de la transition est traduit en français par Rob Hopkins. Donc c'est Rob Hopkins qui l'a écrit, c'est traduit en français, c'est OK, ça se trouve. Et puis maintenant, on en est aux initiatives de transition, parce qu'il n'y a pas que les villes en transition. Et la transition, c'est l'idée de dire, on part d'ici et maintenant, dans où qu'on soit, ça peut être en ville, ça peut être mon quartier, ça peut être mon immeuble, ça peut être mon éco-village. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la permaculture distingue vraiment, tu as une période entre 0 et 15 ans, dans les climats difficiles c'est 15 ans, dans les climats plus faciles c'est 5-7 ans, où ben, ça encore pas, l'écosystème n'a encore pas la productivité qu'il aurait, puis quand il est mature après, bon, ben, on est en mode hyper-productif, soutenable, résilient, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait en France? Ben, en France, on fait ce qu'on peut, parce qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes de loi, il y a la SAFER, il y a l'accès au foncier qui est extrêmement difficile en France, il y a la législation qui nous embête sur plein de choses, à tous les niveaux. On fait quand même, on contourne les problèmes, on triche, on se cache et on essaie de monter des groupes. En général, alors là on rentre dans ce qu'on appelle maintenant la permaculture sociale et humaine, et ce qu'on appelle le design au sens de la conception de la communauté, c'est-à-dire du groupe social. Et là, effectivement, il y a des choses à savoir, des choses à ne pas faire, qui font que 90% des projets alternatifs collectifs de groupes échouent en quelques semaines ou quelques mois. Et il y a des choses, donc 90%, en France c'est même plus, c'est énorme, et il y a des choses qu'il faut absolument faire. Et donc, il existe dans la permaculture, dans les PDC, le fameux cours international de 2 semaines, on parle de permaculture sociale et humaine, et donc design, conception du groupe. Et puis, il y a des masterclass, et là, on va nous donner les éléments fondamentaux. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé des 10 clés des systèmes régénératifs. Il y a des clés pour que le système humain fonctionne. Parce que si le système humain ne fonctionne pas, le système physique ne fonctionnera pas. Et en amont, si on se demande d'abord le groupe ou d'abord le lieu, c'est plutôt d'abord le groupe. Si on n'a pas un bon design, au sens donc, anglais, conception, organisation, planification du groupe, ça n'ira pas sur le terrain. Et donc là, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à savoir pour que le groupe marche. Même si chaque individu n'est pas au top, même si on n'est pas devenu un maître zen, ou on n'a pas géré ses problèmes émotionnels, ou ses idéologies, ou ses émotions, on est plein de conflits, et de croyances, on arrive, en agissant sur le design du groupe, avec des méthodes, des outils, à contourner les problèmes de l'intérieur de chacune de nos têtes. On est une bande de cons qui se réunit et puis ça fonctionne. Mais non, si on a des bons outils, on arrive à faire fonctionner le groupe de manière efficace. Donc ça s'apprend, c'est une des choses que nous enseigne la permaculture. Alors, il y a des outils. Merci. Voilà, c'est... Hein ? Oui. Oui, 2000, mais oui, 2000 mètres carrés, mais même... Écoute, on a des exemples. Ça suffit. Le problème, c'est un, ça va être la compétence. Il faut quand même se former. Voilà. Et puis, c'est sûr qu'on est toujours... C'est beaucoup... Seul, c'est toujours beaucoup plus difficile. Parce que les synergies, plein de choses. Les compétences, la motivation, voilà. Mais oui, 2000 mètres carrés, on fait plein de choses sur 2000 mètres carrés. On peut nourrir, 10 personnes, 5 personnes. Enfin, on a des exemples extrêmement productifs sur 2000 mètres carrés, aucun problème. Hein. En tout cas, on peut, et donc on doit, si on fait le choix de sortir des systèmes, du choix de la mort, hein, de cette planète qui fait du minéral et qui fait du feu, si on fait le choix de la vie, on va faire des choses sur 2000 mètres carrés. Et puis après, il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que ça dépendra des autres. Tu ne peux pas avoir un impact sur ce que l'autre qui a 2000 carrés va faire ou pas. Mais toi, fais au maximum, forme-toi. Et puis, je pense que
tu peux trouver du, tu peux amener du collectif assez rapidement si tu le souhaites, tu vois. Il faut pas se laisser enfermer par les lois, les structures. On peut ne pas être propriétaire et faire plein de choses. On peut être propriétaire et inviter les gens à travailler avec soi. On a le foncier, la loi, l'argent, etc. C'est très contraignant. Il y a toujours des solutions. En permaculture, on apprend ces choses-là. On a des exemples de design, des structures invisibles pour contourner les structures légales qui parfois sont très problématiques. Donc, ce n'est pas une chance des problèmes, c'est une chance des solutions, hein, la permaculture. De l'autre côté, il y a une question là-bas, le monsieur. Oui, merci à Eric et à Thierry de nous rendre visite dans nos chaumières via le web. Alors moi, je voudrais revenir sur la notion de système vivant. Le système vivant est un système auto-organisé qui, en fait, vient d'interrelations entre les milieux humains, végétaux, et etc. Donc la question qui se pose, c'est que de l'instant où il y a un problème, parce qu'en général, si tout est sain, si le milieu est parfaitement équilibré, etc., théoriquement, il n'y a pas de maladie chez les végétaux, il n'y a pas de maladie chez les gens, etc. Dès qu'il y a un problème, et ce que c'est le petit sketch de Thierry qui était fort à propos, donc on se retrouve face soit à une médecine symptomatique, soit à une médecine informationnelle. Alors je prends l'exemple de la médecine informationnelle, enfin, je prends l'exemple, par exemple, stop sur les doigts avec un marteau, un hématome, bon, on va prendre peut-être un calmant, etc. Et puis la médecine, ça c'est la médecine symptomatique, et la médecine informationnelle va nous renvoyer vers l'ANICA. L'ANICA qui donne un signal, c'est ça l'alternative médicale, donne un signal à cette auto-organisation pour résoudre l'affection. Donc ce dispositif-là, il est fonction d'une connaissance, etc. Et moi, la question que je me pose, c'est en fait, quels sont, puisqu'on est un système vivant et auto-organisé, a-t-on les moyens de savoir quand on se fait mal, on le sait, quand ça ne va pas, on le sait bien. Mais quand ça va un peu mieux, quand ça, ce qui nous fait du bien, notamment au niveau de la nourriture, etc., on ne sait pas trop. Alors, il y a une approche qui est la kinésiologie, qui permet, en rentrant en contact avec des végétaux ou autres, d'avoir des fluctuations de tonus, mais ça, souvent, il faut un tiers pour la formaliser. Donc, la question que je pose, quels sont les moyens aussi pour être acteur de sa santé, de son auto-organisation, en liaison entre le milieu humain et le milieu végétal, par exemple, autre que la kinésiologie, et ainsi de suite. Parce que sinon, on rentre dans un système où on est dépendant d'un thérapeute ou d'un... Merci. Ouais, ça paraît bateau, hein, mais pour moi, la kinésiologie, c'est qu'un amplificateur de quelque chose qui est du domaine du ressenti humain. Et le ressenti humain, c'est comme la musculation, quoi. Il faut en faire, il faut le pratiquer. Au début, tu te prends, si tu veux pousser une barre avec 40 kilos de chaque côté, ben, tu vas pas pouvoir. Donc, il faut commencer avec des petites barres, il faut commencer avec des petits ressentis. Mais ça paraît très banal et très consensuel ce que je vais dire, mais le seul moyen de connaître et d'avoir un baromètre permanent de l'état de notre corps, c'est de se connecter à, si tu veux, au niveau de ton système nerveux, hein, au niveau de ton hypothalamus, ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est le point de contact entre le système nerveux et le système hormonal, l'état du corps, il est en permanence monitoré. En permanence, tu as tous les indicateurs, tous les retours nerveux qui viennent de tous les organes du corps qui lui disent où il en est. Donc, quelque part, la connaissance, elle est déjà là, elle est présente. Il s'agit de se connecter via ce qu'on appelle le ressenti. Donc, développer un ressenti fin, et ça n'a rien de truc, c'est pas perché New Age du tout. Hein. C'est vraiment des sensations physiques fines qui vont te permettre de vraiment sentir où tu en es, les fluctuations de température dans ton corps. Tu peux ressentir les différences de circulation sanguine. Tu peux t'amuser à sentir, par exemple, il y a une expérience que je donne toujours aux gens, c'est si vous voulez rentrer dans un ressenti un peu plus fin, amusez-vous pendant quelques jours à ressentir les battements de votre cœur, votre fréquence cardiaque, en fonction des moments de la journée de ce que vous mangez. Et vous allez voir que certaines fois, vous allez manger quelque chose et puis vous allez avoir une accélération du rythme cardiaque extrêmement élevé. Ça, c'est un signe. Puis vous allez rapidement l'associer à dire, ok, là, je demande un effort à mon corps qui n'est pas normal. Et donc,
c'est tous ces petits ressentis. Alors au début, ben, on s'intéresse à son cœur, et puis au bout d'un moment, ça devient naturel de faire comme ça. Donc on oublie le cœur, et puis on passe à autre chose. Et puis petit à petit, on développe un ressenti global de son corps. On nous en a complètement coupé. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il faut voir. Je vais faire court là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ? On nous prend, on est bébé. Un enfant, il commence à appréhender le monde à partir de son propre ressenti. Qu'est-ce qui se passe ? À 2 ans ou à 2 ans et demi, on le met sur une chaise et on lui apprend à écouter ce que va dire un tiers extérieur et à fonder sa compétence et sa connaissance sur ce que va dire un autre, qui est irréfutable parce que c'est le maître, il fait 1m80, il a des paluches comme ça et de toute façon, il n'a pas intérêt à répliquer. Donc son propre ressenti, il va le nier. Si le maître dit « il fait nuit » et que lui, il voit qu'il fait jour, il faudra dire « il fait nuit ». Et donc, c'est le début du moment où on nous apprend à ne pas respecter notre ressenti. Alors là, je caricature d'une certaine manière. C'est provocateur, ce que je dis. Mais au final, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous apprend à dépendre d'une autorité extérieure pour déterminer ce qui est vrai, de trancher le juste du faux, le bon du mauvais. Et donc, à partir de ce moment-là, on est complètement perdu. Le retour à notre propre ressenti, il est long, il est laborieux. Il faut vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui a été cassé en nous, qui a été brisé, moi je crois. Et je ne sais pas à quel point on peut revenir réellement à ce ressenti. En tout cas, on peut s'en réapproprier une partie. Je pense qu'il y a un vrai challenge là. Et nos structures éducatives actuelles sont des structures qui nous apprennent à déléguer en permanence, ce qui a des conséquences énormes en termes de santé, de ressenti, mais ce qui a aussi des conséquences terribles en matière de gouvernance et ainsi de suite. Toute la structuration de notre société est à l'image de nos structures éducatives. Et je pense que ça va beaucoup plus loin que le simple fait de ne pas aimer l'école ou d'aimer l'école. C'est que tant qu'on nous apprend que la vérité vient d'une personne extérieure beaucoup plus que de notre propre ressenti, ben à ce moment-là, ça ne marche pas. Combien j'ai entendu d'enfants me dire « mais moi, je ne veux pas rester assis toute la journée ». On prétend apprendre à un enfant à se déplacer et à parler en le faisant asseoir et en lui disant de se taire. Ça ne peut pas marcher, quoi. C'est le truc. Un enfant, il a juste envie de parler, de bouger. Mais là, c'est pareil. On lui dit que ton ressenti, ne l'écoute pas. Tu écoutes ce qu'on te dit. Donc après, le ressenti, il faut revenir. Il faut faire de la musculation de ressenti. Il faut le développer. Et le développer, c'est aussi aller expérimenter les limites. C'est-à-dire se dire, ah ouais, là, j'ai un bon ressenti. Je sens exactement au niveau chaleur ou au niveau alimentation. Ah là, je suis à l'aise. Et puis d'un seul coup, tu vas te rendre compte, bim, non, ça ne va pas marcher parce que tu vas être malade toute la nuit. Tu dis, ah ben là, j'ai trop mangé de ce truc-là, j'ai pas ressenti. Ok, mais j'ai expérimenté la limite, je sais ce que c'est. Et quelque part, on ne développe un bon ressenti qu'en allant expérimenter les limites. Donc c'est une apologie de l'échec aussi. Parce que l'échec, c'est l'expérimentation des limites. Si on ne fait pas d'échec, si on est dans la peur de l'échec, on est dans la peur de l'apprentissage. Il n'y a aucun apprentissage qui se fait s'il n'y a pas d'échec. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, devant à droite, tu as quelqu'un aussi. Tu avais envie de dire quelque chose, Eric ? Je ne sais pas si tu parlais aussi pour les écosystèmes. Pour les écosystèmes, c'est quand même un. Enfin, le corps et l'écosystème, il y a une grosse différence. C'est que on n'a pas envie. On n'a pas le droit qu'un corps meure. Hein, voilà, moi, je dois me régénérer. Je n'ai pas le droit à des pertes. L'écosystème, je m'en fous qu'il y ait 4 arbres qui meurent. Moi, je fais pousser une forêt de toute façon. Donc c'est très différent. La forêt, elle pousse pas, tu vois très vite. Ça marche ou ça marche pas, tu vois très vite. Pour le corps, on n'a pas le droit. Enfin, c'est presque le contraire. On n'a pas droit à l'erreur au sens où on a droit à des erreurs, mais qui ne soient pas fatales. Moi, je crois remarquer aussi que. Moi, ça fait quand même presque bientôt 20 ans que je mange cru. Et l'absence de sensations désagréables, plus que la présence de sensations agréables, est un guide important. Tu ne sens plus ton corps, tu ne sens plus tes organes, tu ne sens, il n'y a plus de fatigue. Ça se passe bien. Ça rentre bien, ça sort bien. On parle de transparence, moi, c'est une expression que j'aime bien, c'est transparence des organes, c'est-à-dire c'est tranquille, quoi. Tu n'as plus ton attention qui est mobilisée sur ce qui se passe dans ton corps, tu es complètement libre de ça. Silence. Tu peux enfin, ouais, le silence des organes, et tu peux enfin t'investir sur autre chose que t'intéresser à ta propre souffrance. Et donc, tu as toute cette énergie qui est libérée pour faire autre chose, ce qui est beaucoup plus intéressant. Puis après, il y a les symptômes externes, on est joyeux, on redevient un enfant. Que c'est fini. Alors, on va faire une petite pause et après il va y avoir de la musique.